Allez, du coup, on va partir sur le match Likefak contre Laine. Le match incroyable. En avant. Jazzy. Je joue torse nu, il a dit. Remember it. En avant, ladies and gentlemen, la grande demi-finale. La première demi-finale, BO1, on le rappelle, entre Likefak des BDS et Len, l'ancien Make Me a Monster, l'ancien Youngtis. Likefak sur H pour le moment. Len sera définitivement sur Mute, en revanche, pour ce premier round. On va prendre le garage et on va lockdown tout ça. Nikkei s'aperçoit que c'est pas en haut. On va descendre directement au niveau de la gym. Et on va venir mettre son drone au niveau des haltères. Oh, Len, il a zéro peur, hein. Il a zéro peur. En face, ça va être tout le professionnalisme et l'expérience forcément de Likefak qu'on attend au tournant. Petit C4 préplacé qui donnera rien. Et on est perdu du côté de Len. Perdu dans le sens... on a perdu la trace. Eh, mais voilà. On sait que ça va pas pousser derrière. Oh, le positionnement, il est parfait là. Si on n'est pas redroné... Malheureusement, on va être droné. On va prendre l'info, on va décaler. Peut-être le premier duel et la tête de Len. Ouais, Likefak qui se remet comme tout à l'heure. Le but du jeu, forcément. Se faire un peu oublier. En plus, si on peut profiter de ça. Première fois qu'on doit voir Frost de la journée. Ça pique, ça fait mal. 1.5. Opérateur qui connaît bien. Bon, comme tous les opérateurs, de toute façon. Et la question, ça va être surtout de garder le shield, peut-être. Il le sait. Attention aux deux échelles. C'est vrai que parfois on a tendance à oublier que maintenant il y a deux échelles pour monter à ce truc là. Et on est sur site? Et on est sur site? Et on n'entend pas? Et on n'entend pas? Et on vient d'entendre les petits... On sait où on est! On sait où il est! On prend beaucoup de dégâts pour liker. On va pusher. Mais c'est Len qui gagne le duel. Si les dirigeants de BDS regardent, c'est pas bon pour Likefak. Arrêtez, Sheiko, il avait perdu une fois aussi. Il avait joué montagne et tout, machin. Eh, du 1v1, c'est pas du... C'est un autre jeu, les mecs. Hein. C'est un autre jeu. Hein. Mettez Loris contre Cristiano Ronaldo en 1v1 dans des tirs au but. A votre avis, qui gagne? Vraie question. Je donnerais plutôt l'avantage à... Au gardien de but. Ah là 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 là, liké. Donc en fait, la question c'est, est-ce que vous pensez que Cristiano Ronaldo est meilleur en gardien de but que Loris est meilleur en tir au but? Bah oui, en 1v1, vous êtes con, faut qu'il tourne avec un BO3 dans la même logique. Mettez, comment il s'appelle, la Newman, là, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comment il s'appelle, là, Newer, pardon, merci. Merci, Miss Leaf, pour les 5 mois de frascolarité, et Tassaba pour les 3 mois. Honnêtement, si demain, il y a Messi face à Newer, ok? Au tir au but, ok? Ils font 6 tirs d'un côté, 6 arrêts de l'autre, et ils alternent, comme à Rainbow Six. Je pense que le gardien de but gagne. Je pense que Neuer est meilleur au tir au but que Messi du haut de son mètre de 12 est bon en gardien. Neuer. Allez, niquez vos mères, ok? Niquez vos Neuer! Je suis fatigué, j'ai fait 7h38 de live, les gars. Neuer, on dit pas Neuer. Je suis désolé, il est allemand. Du coup, on dit Neuer. Bah, allez vous faire foutre, vous avez compris. Noyeur. Noué. Neuer. Neuer. Comment? Neuer. Nowhere. Noyau. Ah, c'est bon. Merci Peral pour les 4 mois.
Faudra pas oublier de le noter dans l'appréciation. On a le cas l'appeler Jaeger. Ah, mais vous avez compris, on s'en fout de son écriture et sa prononciation. Arrête. Oh, il a pas de chance, Tiki. Il a pas de chance. New York, nulard. Arrêtez, vous me cassez les couilles. Est-ce que vous avez compris? Revenez sur le truc. Est-ce que vous pensez sincèrement que... Newer, c'est Newer. Comment ça se dit? Nouille, non. Boston, Nouillère. Neuillère, Neuillère. Neuillère, Neuillère. Neuillère, ok. Aïe, 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 trop facile pour les kefak. Il a activé le mode pip, pip, pip. Il a activé le mode... Voilà, et Fiasco, sois sympa quand même, c'est Len quand même, il a 14 piges. L'autre, il est là. Mais s'il fait 1m20 aussi, t'abuses. Oui, mais c'est justement, c'est hyper important. Mais c'est pour dire que... Ah putain, Len, non, 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 pas comme ça, Len. Respecte-le, il est joueur professionnel, il est au Six Invitational, Len, quand même. Refais comme tout à l'heure, sois pro. Allez, Len, 3-2. Noir est blessé en ce moment. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que mettre mes... C'est pas le but de mon truc! C'était une métaphore avec Rainbow Six! Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Noir il soit blessé ou que Messi en ce moment il a la diarrhée? Qu'est-ce que je m'en fous? La métaphore! Le but du jeu c'est la métaphore! Il est parti! Non, la cam! Ike! Len a marqué un but. Ah, quelqu'un est rentré dans sa chambre? Ah, ok, ok. Len, meilleur que nous ailleurs. Oh, niquez vos races. Franchement, allez tous vous faire enculer. Hein. Ouais, vous dites bienveillance, bienveillance. Ça n'avait rien à foutre de la bienveillance envers moi. Vous êtes trop des fils de... Il n'a pas arrêté le penalty, Ike. Ah, j'en peux plus de cette commune de merde. Ah, je vais pareil sur Rocket League. Oh, oh. Oh, il a touché. Oh, le C4. Le petit sound glitch là. Oh là 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 là. Toute l'intelligence et l'expérience là de la part de l'Ikefak. Ah là c'était smart ça. J'aime bien là. Bah 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 bah. Best of Crash F1 sur YouTube. Pff, mec il tape dans des pneus. C'est bon quoi. Ah bah zut, on a oublié la grue. Ouais, bah voilà, bah super. Et les rallyes, les mecs, ils se prennent ils se prennent des fucking dromadaires, ok? Il va jouer avec lui. Oh là 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 là! Oh là 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 là. Il a pas le torse nu, mais il lui a fait un vrai cours de Zumba. Ou là, tu vas bien le mettre en mode, bah ouais, mais t'es au milieu de la pièce, bah ouais, bah tu vas tirer tous tes pruneaux dans mon bras, mon gars.
Bah ouais, mais tu vas reload. Bah ouais, mais tu peux pas cancel. Esbla. Et pourtant, Lane, il a pas été bête. Il est pas. J'ai bien aimé le fait qu'il se colle contre le mur et qu'il se décolle du mur pour pas avoir le pick advantage au moment de la sortie de liquefac. Il va le jouer au final. Et il joue sur tous les angles à sa disposition, en haut de la commode, à droite de la commode. J'adore ça. Là, ça joue les mécaniques. Ça comprend Rainbow Six, nom de Dieu. Non, il va pusher sur site. Aïe, 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 Len, pas comme ça. Pas comme ça, Len. 5 à 4. Pas comme ça, Len. Derrière, il sait que ça prend Buck, il sait qu'il va le jouer sur la verticalité, donc il a envie de le faire chier, il a envie de lui péter des drones, il attend pas sur site, mais d'ailleurs, c'est liquefac, il a de la flash, il a Buck, il peut jouer sur la verticalité, et derrière, là, il se dit, bah, y a personne sur site, moi, je suis liquefac, j'y vais tranquille, hein. Eh, il perd pas le nord, hein, liquefac. Vas-y, pas compris, vraiment rien compris. Et parce que, regardez sa caméra. Vas-y, personne comprend mes vannes, j'en ai ras le cul. Ah là 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 là, 6 à 4. Et c'est là que tu vois que le swing, là, les petits swings, les petits machins. En face, t'as juste une tourelle. Allez, 2 balles de match à sauver pour Len. Et on va prendre l'info pour Liké, mais on a l'info, on a l'info. Len le sait, petit trou de rota qu'on va s'improviser. On va se relocaliser pour Len, forcément en vente, là on est les petits. On sait qu'il est au-dessus de nous, petite ligne prise. Et on va rejouer sur les deux drones sur Liquefac, pour Liquefac pardon. On en utilise un, mais on va très certainement utiliser le deuxième. Et plus ça va, plus on met la pression et on donne le tournis à Len. Est-ce qu'on va passer à droite? Est-ce qu'on va passer à gauche? Très probablement, on va se relocaliser et on va utiliser le dernier drone intelligemment pour Liquefac. Prendre la dernière information. Et le C4, il va connecter sur Walou. Derrière, on essaye d'aller le sanctionner, justement. On vient ouvrir sa ligne. On n'est pas stupide du côté de Len, mais attention à pas trop bouger. Len, attention. Attention, est-ce qu'on a vu quelqu'un? On le sait. On sait qu'il est là. On le sait. On le sait. On le sait. Ça passe pas. Attention. Attention, ça se joue là-dessus. Les pieds qui dépassent. Pas comme ça, Zizou. La charge, la dernière utilisée. Tout est utilisé. 30 secondes. Il reste un drone. Le drone est neutralisé. Il va te faire une Zizou, tu le sais. Tu le sais, Len. Beaucoup de dégâts pris par Liquefac. Il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Non! Oh, il est trop fort! Le pick advantage sur cette petite Delcal qui était quand même extrêmement parfaite. Liquefac, des joueurs BDS professionnels très très forts. Chapeau de sa part. Malheureusement, fera tomber Len en demi-finale, ladies and gentlemen. Parce que je crois mon PC être... Il a pété un câble. Je vais relancer tout ça et ça ira mieux. Vas-y, vas-y, ça marche à toutes, les quais. Bisous, Len, t'es le meilleur. Bien joué, Len. Alright, un gros GG à Len tout de même. Envoyez plein de GG dans le, de cœur dans le chat, s'il vous plaît, pour Len qui, malheureusement, eh bien... Pour lequel ce sera terminé pour lui, pour ses, qui chutera contre un joueur professionnel aux portes de la finale. Liquefac, comme vous venez de le voir, eh bien sera le premier qui partira en finale.